Précédemment, dans The Dream. Nice, excellent Bob. Excavation, bande d'enculés, c'est comme ça qu'on mine. Aujourd'hui, au Cortès de Ici les Moulinettes, chez les deux églises, nous avons le magnifique char des enfants de 3e, qui est censé représenter le carnaval de Rion. Salut à tous les amis, ici Fantovakin, plus connu sous le nom de Fantage, en compagnie du fake de Vakin, Bob Lennon, qui vole. Oh mon dieu, oh, il est beau. Peut-être le fake, mais bon, je suis le vrai Bob Lennon. Aussi épique que Popeye le marin, sauf que leader des gros avant-bras, moi j'ai une grosse cuisse. C'est ça qui fait, regarde ça avec ce dirigeable il est swag et du charisme. Sublime, mon petit Bob, vraiment sublime, et je suis... J'ai un regret, c'est que c'est pas les lumières clignotantes. J'ai réussi à lui mettre des lumières rouges et des lumières bleues, j'y ai bossé dur, mais j'ai pas réussi à lui mettre des lumières clignotantes. Et regarde ça, Fantin. Ah bah écoute, c'est regarde, un défi vois, à faire, hein, avec un peu de redstone. Ce petit rajout du luxe au-dessus de la maison qui est et qui fonctionne pas, du coup, ouais, il marche pas. J'aurais peut-être pas dû mettre les protections sur les côtés, j'aurais peut-être dû les péter. Oh, c'est pas très important, tu me diras. Ah, sublime. Très bien. Et voilà. Ah, oh, c'est classe. Bravo Bob. Attends, je monte à ton étage. Tata. Je monte à ton étage. Ça marche, regarde. Pile poil. En plus, il y a les regarde ça. En plus, t'as les escaliers pour descendre juste en dessous. Voilà. Et j'avoue tu es le Dovahkiin mythique. Il y a pas de problème. Je peux pas descendre, j'ai pas de pioche. Essaie de péter un bloc. Alors, pas de pioche. Non, on s'en fout. Voilà, très bien. Du coup, tu peux. Non, mais pas tout. Du coup, tu peux descendre. J'ai l'impression que tu me dis pas tout. Fais gaffe à la marche. Ah, j'ai l'impression que tu me dis pas tout. Pas tout. Oh, ce casque qui te va juste tellement bien. Et du coup, voilà, le seul truc que j'ai oublié de faire, c'est jaloux, que j'ai fait ça en chauve-souris. Oh, oui, je suis complètement jaloux là. Mais j'ai la couronne, donc ça va, je le vis bien. Le truc, c'est que voilà, j'ai fait ça en chauve-souris la dernière fois. Et du coup, j'ai complètement oublié de mettre des marches pour descendre de cette voilà. étage. Voilà, et j'en profite, ça sera ici que je vais cacher le début de mes expériences démoniaques, parce que je vais faire probablement une fantacave démoniaque, puisque je compte vous montrer le mode nécromancie très prochainement, et j'ai récupéré des seaux de sang bien dégueulasses. Je les ai récupérés, je sais pas si tu te rappelles, mon petit Bob, tu te rappelles la tour un peu bizarre? Oui, tout à fait. Tu sais, la tour qui est dans le Never, il y avait de la flotte et tout. Oui, et en fait, à la surface, c'est des piscines de sang. Et j'ai récupéré du sang, tout simplement. Là, je viens de faire une fontaine de sang infini. Voilà, qui me servira pour faire plein de dégueulasseries très prochainement. Mais d'abord, un petit peu d'exploration. Tout à fait. Là, pour le coup, tu m'avais dit, Fanta, ouais, Bob, il nous faut des enderperles. C'est bien ça. Tout à fait. Ça va être très pratique, écoute, surtout pour l'exploration. On va prendre un peu de bouffe, on va prendre des munitions, de la TNT, de la redstone et toutes ces sortes de choses absolument formidables. On va se préparer de manière à utiliser, à enfin mettre ce dirigeable à l'amende, hein, littéralement, de manière à pouvoir enfin s'en servir. J'ai le canon à dubstep explosif. Je sais pas si c'est toi qui as l'autre. Moi j'ai un canon à dubstep circulaire non explosif, mais c'est pas grave. Excellent. Est-ce que tu vas dessus et dis-moi qu'est-ce qu'il consomme lui comme munitions? Des diamants. Ah, parce qu'il faut que t'en prennes peut-être un ou deux. Ça, en fait, il faut savoir qu'un diamant recharge à fond, c'est-à-dire 100 balles, je crois, dans ton truc. Comme on en a 64 plus 12, voilà. Prends pas tout, prends-en juste deux, ça devrait être amplement suffisant, ça devrait suffire. Alors, qu'est-ce que je voulais faire avant de partir? Parce que j'avais récupéré de la lave, il faut que je pense. Alors, je veux faire aussi du bambou, ça c'est un projet, je vais en planter. C'est pas le... Ah merde, ça se plante pas, cette saloperie. Quoi, du bambou? Ah si, mais pas sur le sable. C'est les grands bambous spécial Tropicraft. Ah, ils sont tout carrés, enfin tout carré, tout rectangulaire. Tout à fait. Et là, je vois par contre qu'on a du bambou canne à sucre qui va aussi nous servir. Et lui, je vais en replanter tout de suite. Tout à fait. Alors, juste pour ton information, Fanfant, tu peux mettre la carte en appuyant sur M, la zoomer, la dézoomer à loisir. Et je crois qu'il sera assez facile pour nous de retrouver où se trouve la maison, puisque ça ressemble un peu à un dôme.
un espèce de dôme étrange, bizarre. Et, oh, c'est sublime, ton dirigeable est sublime. Ouais. C'est aussi pour ça que j'avais fait une maison en forme de château quand j'avais remarqué la map. Pourquoi ? Parce qu'une maison normale, on aurait reconnu celle de Reliant, tu vois ce que je veux dire, qui est un peu cachée par les arbres. Mais la nôtre, honnêtement, ça fait vraiment le village de RPG, tu sais, avec la zone d'atterrissage. C'est Google Satellite et tout, là on voit tout chez Reliant. Ah, et tout. Il est à poil dans sa piscine. Ça veut dire qu'on peut partir soit au nord, à l'est, à l'ouest, où tu veux. On peut même aller dans les espèces d'îles volantes, biomes bizarres, étranges et ésotériques. Mais nos objectifs, chers amis, ce sera de trouver des Enderman. Moi, je suis pour qu'on dépasse la neige, tu vois, sur l'est. Ouais. On n'est jamais allé trop dans cette direction. Par contre, Forta, absolument interdit, interdit, je dis bien interdit, hein, que tu partes sans tes lunettes absolument formidables, ésotériques. Alors, voilà, là, regarde-toi, filme-toi. Regarde-toi. Oui, je sais, je suis trop classe. C'est sublime. Oh mon dieu. Trop voilà. Sublime. Par contre, la vision, elle est pas très agréable. Je vais quand même le retirer. On dira qu'elles sont là. Je mets où les trucs du coup. Là, j'ai des trucs à faire cuire, mon petit Bob. Mais c'est toi qui a le secret de la machine maléfique. Voilà. Alors, soit tu les mets soit tu souhaites qu'ils soient pulvérisés et tu les mets dans le coffre à pulvériseur qui se trouve à l'intérieur de la maison. Soit tu les mets juste à l'extérieur. Ah non, moi je veux qu'ils soient doublés quoi. C'est l'entrée, c'est dans le coffre entrée. Allez, je mets dans le coffre entrée. Et il faut que ce soit compatible avec le mode. Donc du coup, là, c'est en train de passer dans le tuyau, le hopper qui est plein de ton sable d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il est plein de sable, parce que le sable ne se double pas. Merde, le hopper est plein de sable. Et oui, exactement. Et apparemment, les matos que tu as mis de Tinker Stonsrut ne se dédoublent pas non plus. Et donc, ils ne sont pas pulvérisables. C'est pas grave. Okay. Tu te décontenances pas, tu les prends et tu regardes, tu vois les deux fours à l'intérieur du pulvériseur, et ben tu les mets directement dedans, sans passer par la case pulvériseur. Voilà, celui en haut, celui à droite, et ça devrait aller assez vite. Quoi ? Attends, les deux fours ? Oui, ah, d'accord. Les trucs dessus et à droite, les espèces de machins qui te regardent, les cyclopes qui te regardent. Ah, mais ça chauffe pas. Bah si, si normalement ça marche, il faut le mettre dans le coup. Regarde, tu vois ? Et ben merde alors. Non, ça va pas tout simplement. Les deux modes ne doivent pas être compatibles. C'est pas grave, je ne doublerai pas le truc, je ne cheaterai pas le jeu. Non, mais tu le doubles pas, c'est censé le cuire plus vite. Essaye un four normal. Ça marche au four normal. J'en sais rien, mon petit Bob. Tu sais ce que j'aimerais ? J'aimerais. Tu aurais pas une obsidienne qui traîne par hasard ? Encore de l'obsidienne. Les exigences de cet homme. Je crois pas. Non, ça c'est de la laine noire. Perdu, bien tenté. Non, je n'ai pas d'obsidienne. Par contre, on a du charbon. Donc je peux alimenter tous les fours en charbon et c'est ce que je vais faire, tous les fours à l'extérieur. Ok, bah écoute, c'est pas grave. Hein. Moi je vais faire mes courses et puis au fur et à mesure. Et tiens, je vais vider tout mon inventaire avant qu'on se barre. Ça serait bien aussi qu'on se barre de jour, non ? Ça serait bien qu'on se barre tout court. Et puis, partant du postulat qu'on cherche à chasser de l'Enderman, il faudrait qu'on parte aussi de nuit. De nuit, le soir, au crépuscule. Je mets tout ici. Ça va dans les plus sombres ténèbres que le... Clac, 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 clac. Oui, oui, mon petit Bob, oui, oui. Oui, je... Ça m'avait manqué, hein. Il faut savoir que, chers amis, ces temps-ci, je dispose de ça me rend fou parce que je suis un adepte des vies tranquilles où il ne se passe absolument rien, tu sais. Moi, j'aime beaucoup ce genre de truc. Et du coup, là, de lave. Ouais. Je cours depuis 3 semaines à gauche, à droite, à l'infini. Ça ne s'arrête plus. C'est surtout le stock de seaux que j'avais fait, j'étais allé remplir au Nether. Alors. Ah, oh, ça c'est bien. Voilà. Est-ce que je peux piquer le Lennon ? Oui, bah oui, je t'en prie, serre-toi. Attends. Non, on peut piquer les donnes. Ah non, j'aurais voulu recueillir ton sang. Oh si, ça marche ! Tiens, un échantillon. Mais... Attends, je le... attends, je peux le boire pour le faire revenir. Tu fais ce que tu veux avec ton sang, moi je prends. Voilà. Cesse de m'échantillonner, ça va pas, non ? C'est bon. Le gars est malade. Quand j'aurai un petit peu d'obsidienne. Regarde cette statue de la postérité, tu sais. C'est clair, le sang du Lennon. T'imagines, t'as toutes les statues, tu sais, genre la statue de comment s'appelle le gars qui avait gagné Waterloo, le général Nelson à Londres. C'est pas Napoléon ? Ah non, ok. C'est
Et c'est Général Nelson. L'amiral Nelson, voilà. C'est ah, ok, Nelson. J'y connais à que dalle. J'imagine cette statue, mais elle tient une fiole de son propre sang. Pareil pour les statues Bonaparte ou les trucs. Ah ouais, tu sais, tu peux faire renaître après quelques manipulations génétiques. C'est ça, génétique. Dans 2000 ans, tu sais, les trucs trop glauques qui veulent rien dire. Les héros de l'histoire. Dans le musée machin, retrouver le clone de Napoléon avec une vraie douleur au foie. Je dis que c'est un héros, c'est parce que t'es français, mais selon les Anglais, c'était un connard. Oh putain, bah les Espagnols, les pauvres, ils ont souffert. Hein. Alors, non, pour eux, ils détestent tout le monde. non, pas du tout. Les Espagnols, Napoléon, il a exterminé énormément de personnes là-bas. Hein. Oui, tu sais, mais les Espagnols, j'ai l'impression que tout le monde est passé sur l'Espagne, en fait, sans offense. Hein, ah, pas pire que la Pologne. Hein, la... Putain, alors là, ouais, bon. Les pauvres, ils s'en sont pris dans la gueule aussi. Ils ont pas eu de chance. Ils ont pas eu de chance. Pays d'invasion par excellence, c'est le paillasson juste avant de rentrer. C'est ça, la Pologne qui regarde les Français, la résistance, nous ça fait 300 ans qu'on résiste. À quoi? Bah à tout. Ah putain, heureusement qu'on en rigole. Du coup, est-ce que tu as ton matos? Est-ce que tu as commencé à faire cuire les choses que tu voulais faire cuire? Bah moi maintenant il faut qu'on se barre parce que il me faut des underpels. Ah bah voilà. Si. La statue de Reliant, hein, vous êtes témoin, ce n'est pas moi qui l'ai saccagée, c'est le destin. Pardon. Voilà. Par contre, faut que tu viennes. Fini le placement de produits sur nos vidéos. rage de mort, rage de la vie, rage de l'amour. Allez, on y va, on se barre. On se barre. Cette hache, quand je suis en mode full rage, ça marche bien. Ah bah content qu'elle te plaise. Elle m'a coûté cher. Non, elle a coûté une heure de la vie de nos abonnés, tu te rends compte? Tout le monde, ouais, c'est clair. Attends, excuse-moi, il faudrait peut-être que j'installe une échelle, ouais. Au moins pour la suite des aventures, parce que sinon on va avoir l'air très con très vite pendant très longtemps. Voilà. Ouais. Plus ça rend moche, il faudrait que je fasse quelque chose. Bon, on va me dire, ça ressemble au château de Mario. Oui, c'est parfait, c'est cultissime le château de Mario. Tu sais qu'il manque de torches par ici, hein, c'est dangereux. Ouais, c'est bon, j'en ai quelques-unes, bouge pas, je vais pouvoir améliorer ça. Ouais, j'ai les yeux qui piquent. Alors, c'est parti, hop, on monte dans le dirigeable, et je vais te laisser conduire. Hein. Voilà, tu peux mettre la musique de Boozer dans Super Mario Bros. 3. Non, je peux pas faire ça. Ah, putain, il m'a éjecté. Ah, c'est bon. Oh, c'est génial! Alors, un conseil, mets-toi en F5 de manière à ce qu'on puisse voir les alentours. Alors, tu veux qu'on parte à l'est, à droite donc? Ouais, tout à fait. Oh, c'est génial, bravo Bob. Et bah, attends, je vais essayer. Oups, j'ai foiré mon coup. Merde, t'es tombé? Ouais. Ah, c'est moi qui me suis raté, Fanta, je suis complètement désolé. J'appuie sur CTRL au lieu d'appuyer sur SHIFT pour faire descendre l'appareil. Ah, purée, il a hérité de toute ma puissance du fail. Ouais, c'est ça, c'est là, je sais pas, c'est... Ah mon dieu, c'est comme ils disent, hein, pas de femme ou de Fanta à bord, hein, ça porte malheur. Pardon, on va essayer de remonter. Où est ma tombe, du coup? Je vais essayer de me reposer, elle est juste là, en dessous de moi, là. Tu vois, il y a les petits chevers... Tu devrais pouvoir récupérer tout ça assez vite. Ah, purée, par contre, il me rend mon XP et 10 niveaux d'un coup, quoi. Ça fait plaisir. Oui, il est assez honnête, je trouve, ce bot pour l'XP. C'est bon, je me suis calé normalement. C'est fini, chaussures, ok. Et donc, là, t'es dans le ciel, là? Non, je suis juste en face de toi, là. Enfin, derrière toi, du coup. M'en fous, j'ai ton son. Dans la flotte, derrière toi. Derrière toi. Oui. Bravo. Tu peux monter avec l'échelle. Ah, ça fait plaisir à l'aube en plus et tout, ça va être génial. Alors, essaie de te poser dans le fauteuil avant que je parte. Non, il faut que tu sois dedans pour que ça marche. Ah, je peux pas. Tu peux plus bas ou pas? Non, je peux pas plus bas. Bon, ok, je vais voler. Ouais. Oh, merde. Pas avec les flotteurs. C'est l'abeille cool, tu connais? Oui. La zombie en or. Répétez aussi, le plus souvent possible l'abeille cool. Voilà. Oui. Et le plus vite possible. Attends, transforme-toi et essaie de te poser dans le siège passager. Voilà, c'est un complot contre Fantasio. Alors déjà, monsieur fait des vidéos avec Seb, en plus après ça, hein, bon. Il faut le faire en même temps, quoi. Le commandant de bord et moi-même sommes heureux de vous accueillir sur la Fantabob Force, la compagnie aérienne qui vous emmène vers l'infini et au-delà. C'est vrai que c'est pas mal ça, Air Fantabob Force. C'est ça. Ça rend plutôt bien. Capitaine Bob.
On chasse de l'Enderman, mais le problème, c'est qu'on chasse d'Enderman de jour, donc on va aller pas très loin. Et des vaches, et des vaches aussi. J'ai par contre l'altimètre. Oh, putain, tous les indicateurs de bord sont assez précis. Tu sais qui m'a abandonné le truc, l'enfoiré? Ah merde, ça ne t'abandonne que si... Voilà, je me stabilise. Moi, je te vois là maintenant. Attends. Non, toi, tu me vois pas. Moi, je suis sur l'eau, mais je peux pas bouger. Ah d'accord, mais non, c'est parce que tu es toujours dans le siège, hein. Je te vois. Ouais, ouais, donc c'est bien, mais je vais faire en sorte de pas mourir noyé quand même, tu vois. Et ça puis, ouais, parce que je suis en train de couler. Alors, ce que je vais faire, je vais te suivre en abeille. Ouais, ça va être pas mal. Hop, du coup, je me stabilise. Normalement, ça devrait te téléporter. Ah bah voilà, effectivement, je suis là. Oh bah écoute, tu peux suivre en abeille. Moi, je me déplace en dirigeable. C'est vrai que c'est à moitié buggé. Ah quand bah, même. Je vais prendre ce magnifique chapeau. Canotte créate un véhicule Windmore d'un 2048 blocs. Fuck, c'est vrai que il a l'impression d'être attaché en dessous, du coup. Alors, attends, il faut lui casser un coup. Ah, effectivement, on aurait dû faire des motos volantes. Parfait, je suis sûr qu'on peut tondre. Tu sais, on l'a jamais fait ça, la tonte de Lennon. Ah, j'ai oublié. Ah, ah si, j'ai mes cisailles, vas-y, mets-toi en mouton pour voir. Ok, ok, je te fais ça tout de suite. Merde, comment... Oh, attends, j'entends un vous. Oh là, Enderman. Attends, vise-le et fais qu'il bouge plus. Lapin, je te regarde. Non, mais vise-lui les pieds. Non, mais je le vois pas. Il est là. Où t'es, connard? Sors de là, si t'es... Ah, il m'en faut un paquet, des perles, hein, je te le dis. Il est où? Ah, il s'est barré, il a dû tomber dans l'eau. Merde. Ah. Ça veut dire qu'il y en a, on peut en trouver un. C'est quoi ça? C'est un poulet avec un drôle de casque. Oh, un poulet avec un casque de Mr. T. Tu filmes? Je suis un poulet, bah oui, bien sûr. Ah, parfait, je me disais aussi. Dégoûté par contre, j'ai raté le l'Enderman, mais bon, c'est pas grave. Du coup, le bateau est enfin redevenu à peu près stable. Ah, je vole comme un poulet. Enfin, pas beaucoup quoi. Mais je peux planer, j'imagine. Oh, ça doit être rigolo ça. De planer comme un poulet. Oh, attends. Je te vois un poulet avec un casque d'Ovaquin, je te vois là-bas. Oh, il est trop beau! Fanta poulet d'Ovaquin, oh, il est trop beau. Le Fanta poulet d'Ovaquin. Par contre, tu prends du retard. Je suis en train de survoler les steppes enneigées de Tunguska. M'en fous. Je m'en fous, le fou Roda, c'est moi. Okay. Par contre, pas d'Enderman. C'est dommage parce qu'il y en avait un là. Ouh, cette forêt enneigée ne dure pas très longtemps, mon fanfan. Wouah, putain. Quoi? Continue vers l'est, donc vers la droite. Et tu vas tomber sur un truc qui est assez incroyable à voir. Ok. Je suis. J'ai vu ça. Oh, un champ de blé. Un vrai champ de blé. Avec un Enderman, je l'ai vu. Putain. Panda. C'est quoi Enderman. Ça? Et tu sais que c'est même plus la peine de faire à bouffer, quoi. Oh, il y a un dolmen. Avec un dolmen. Attends, je vais essayer de poser le dirigeable sur cette espèce de morceau de terre roux là-bas, rouge. Si tu veux bien. Note à soi-même pour le prochain épisode, construire des motos volantes plutôt que des dirigeables. Ça demande un peu de pratique, hein, chers amis. Alors, dedans, il y a un dispenser avec des trucs bizarres. Oh, il y a quelqu'un qui m'a fait mal. Ah, c'est une sorcière! Vilaine! Ok, c'est bon, je suis une sorcière. Est-ce que je ne peux... J'aimerais ne pas mourir. Oui, c'est bon, je peux pas. Nickel. J'avais oublié. On m'a dit que je pouvais pas mourir. Hein. Dans un épisode de Waka, ils m'ont tous fait la morale. Si je meurs là, je vous retrouve, vous et votre famille, et je vous extermine. C'est bon. C'est ça. Ça y est, je suis dans la luzerne. Wouh! Bravo, Bob. Ah, ça rend trop bien cette aventure en dirigeable, là. On va putain, s'éclater. Attends, la sorcière, elle vient vers moi. Hé, hey, recule. C'est recule, moi, c'est moi, c'est moi. Oh putain. Je me disais, t'as de la veine. Il était chargé, prêt à tirer. Tu sais, c'est, j'ai le cul à TNT. Hein. T'as de la veine de que j'ai eu un doute pendant une fraction de seconde parce que je l'ai vu avec une patate. Et je me suis dit, mais que fait une sorcière avec une patate? Bouge pas, dis ton nom, d'où tu viens, qui tu es. Pourquoi t'existes? Hé, je peux pas le récupérer ici? Ah, je peux en récupérer qu'un petit peu. Ah, fais voir. Parlez. Tu as peut-être ta faux sur toi? Non, elle est à la maison, la faux. Ça se plante? J'en ai que 6. Putain,
putain, ça récupère des pas des masses. Ah oui, ça se plante. C'est quoi ça que t'as récupéré? Eh, j'ai retrouvé une main de sorcière, quoi. Ah putain, bien joué. Génial. Oh là, attends, du minerai, c'est quoi ça? C'est du gravier d'aluminium. Oh bah écoute, cool. Ouais, carrément. Why the fuck not, hein. Pas mal. Oh. Est-ce qu'on peut aller voir du côté du dolmen, du coup? Des tournesols qui sont sublimes. Alors attends, côté du dolmen, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vois encore une autre sorcière. C'est pas toi, ça. Bah ça, si. C'est pas toi, ça. Ah non. Dans le dolmen. Ah, il y a un spawn, alors. Ok. Recule. Tu vas la tuer au dubstep? Vas-y. Prends sa fumier. Voilà. Vive la nature, bande d'enculés. Superbe. Peace out. Voilà. Ok, donc là c'est réglé. Hein. Donc, pour ceux qui voulaient voir le dolmen, visiter le dolmen, examiner le dolmen, comprendre ce qu'était le dolmen, découvrir le dolmen, vivre avec le dolmen, eh ben, je vous invite cordialement à aller vous faire foutre. Pardon, c'est gratuit. C'était la beauté du dubstep gum, voilà, c'est tout. Très efficace dans l'absolu. Moi, personnellement, j'ai aucun remords. La sorcière, son point de spawn, tout ça est mort très très vite. Putain, il y a encore plein de minerais, ça fait plaisir. Oh, safari net. Ça, attends, je me rappelle, c'était important, mais je me rappelle plus pourquoi. Un safari net? Un safari net, c'est un... C'est quoi ce truc? J'ai l'impression que c'est un piège. C'est un safari net, bah, c'est un... Oui, c'est un filet de safari pour capturer les animaux, tu sais. Exactement. Donc effectivement, ça a l'air d'être un piège. C'est... Oui, c'est probablement un piège d'ailleurs. Hein. Il devait y avoir un mécanisme, quelque chose. Chose dont on sait globalement et cordialement passé. Rien du tout. Hein. Ouais. Voilà. En plus, c'est marrant parce que quand tu regardes en face de moi, t'as tout le dolmen qui est détruit. Mais quand tu regardes derrière le dolmen, tu vois les tirs perdus. T'as l'impression que c'est une attaque de Dragon Ball Z. Tu sais, t'as le rayon qui a rasé la moitié de la planète derrière. Ça fait tout de suite un peu plus de dégâts. Putain! Mais n'empêche quoi, ce champ, ce vide, cette liberté. C'est super. C'est vraiment beau, en plus avec les shaders, c'est vraiment à tomber par terre. Et puis depuis que j'ai trouvé les bons réglages. Gal, j'ai fait un crop circle. Oh mon dieu, on sait. Tu as gâché tous les espoirs de l'humanité. Moi j'aime bien les mecs qui sont là. Les crop circles, c'est des trucs faits par des aliens. C'est pas possible d'être aussi précis. T'as vu, y'a qu'eux qui ont la technologie pour faire ça. Les mecs, vous savez qu'un piqué, une corde tendue et une planche, hein, c'est plus qu'il n'en faut pour faire un crop circle. D'ailleurs, précis, oui, il y en avait qui les faisaient comme ça. Bah oui, évidemment, mais ce qui me fait. Encore une sorcière là-bas, regarde. Viens, monte avec moi et regarde. Puis je veux dire, quand t'es jeune, si t'as envie de faire un canular, c'est excellent. Quoi. La sorcière, dans son état naturel, cherche des épis de maïs pour se les carrer dans le cul. Elle fait ça alors que l'équinoxe de la pleine lune approche à grands pas. Bah attention, elle fonce droit sur nous. Alors elle fonce droit sur nous, mais avec amour. Va récupérer les restes. Alors non, moi attends. Je vois rien, il y a un... Ah, oh, c'est un genre de pétrole qui pique là. Qu'est-ce que... Aïe, ça fait mal. Ouais, c'est la drogue, c'est la drogue bizarre. Ah, il faut qu'on se barre. C'est du poison. Transformation. Ah. Allez, on va prendre le... C'est bien, on a trouvé un nouveau biome et il est vraiment super. C'est un puits de pétrole ça? On peut en récupérer avec un seau, tu penses? Moi je vais jeter des trucs parce que j'ai plein de trucs inutiles. Il y a un coffre dans le dirigeable. Oh merci. Merci pour l'idée. Très bien. Clap. Je me mets en guêpe, je vais sur le coffre. Et puis on se barre dans un nouveau biome. Exactement, on va aller encore plus à droite, écoute, hein, sans pitié. Bon. Clac. Et bah quand même le dubstep gun efficace, hein. Par contre, il me reste plus que 2 TNT sur 8. Hein. Les munitions tombent 8, hein. Tombent vite. Hein. C'est... Enfin, c'est quand même très très drôle. Tu me dis dès que t'as fini avec le... Dès que ouais, t'as fini bah, je suis prêt. Vas-y, on te suit. Je pose un peu de sucre aussi. Ok, attends. C'est donc direction la Lune, alors. Merde, je peux pas créer un truc plus de 2048 blocs. Est-ce que tu peux le dégager avec ton super pouvoir d'abeille?
Ouais. Vous Et pourrez pas d'ailleurs, chuchoter. je vous invite les amis à nous donner un rendez-vous dans le prochain épisode de The Dream, parce que voilà, on arrive au bout de cette aventure aujourd'hui. On va découvrir encore d'autres lieux, d'autres modes, dans d'autres circonstances. Et Dans d'autres très bizarres, étranges, ésotériques et formidables. Et je vois de la lumière là-bas, t'as vu comme quoi c'est formidable. On peut aller visiter ou si tu crois que c'est encore le même cercle de pierres étranges et bizarres qu'on a Ah non, nucléarisé? non, non, fais voir. J'aimerais le voir. J'ai pas Eh vu. bah, pose-toi. C'est bon, je suis libre, Fanta. Tu peux te poser en Mr. Busybee sur le. Hop, tu peux suivre. Comme ça au moins. Il y a une drôle de bestiole là-bas, c'est quoi? Ah, Tu. c'est une araignée. Dans les champs, ça rend trop bien. N'empêche, ça fait des dégâts la musique, hein. Ouais, ça fait quand même du dégât. Et c'est surtout le pétrole, moi, qui m'a surpris. Je sais pas si c'est du poison, du pétrole ou autre, mais je m'attendais pas à trouver ça dans le sang de, champ de luzerne. Tu crois que c'est les sorcières? C'est la raison pour laquelle elles popaient ici? Ou Ouais, à cause bon, du. j'en avais déjà vu. Là, c'est un Ou à cause champ du cercle. de. À cause du cercle de pierre païen. Ici, on va pouvoir faire de l'obsidienne avec ce lac-là. Ça va être Pas mal. parfait. Ah putain, c'est de la lave là-bas, c'est quand même sublime. Mais écoutez, chers amis, on vous abandonne là-dessus, on va encore explorer nous derrière sans pitié. La prochaine fois qu'on rentrera à la base, moi je ferai des motos volantes, ce qui nous permettra de nous déplacer quand même plus vite, avec plus de classe et avec moins de bugs. Ça rendra bien, je Voilà. pense. Et Comme ça, au je propose pour terminer que je me transforme sous vos yeux ébahis. Déjà, je monte dans le ciel. Et sous vos yeux ébahis, je me transforme en Dovahkiin poulet. Et on Donc, regarde. petit poulet, tu planes? Oh oui! Et Ah oui. essaie d'atterrir sur le dirigeable! Ok, allez. Hop! Vas-y, vas-y. Dovahkiin poulet. Il est où? Je vois pas. Je le vois pas, chers amis. Alors, il est Foxtrot là! à la base, on essaie de vous voir, mais Mais on t'es vous où voit le pas. Vous êtes sur les dirigeable? radars, mais. Ah Hein? merde! Dovahkiin poulet, survie! Saute, fais quelque chose! Vol, J'essaye, flap! j'essaye, je flappy flap vers toi, c'est Fanta le Fais Dovahkiin comme le poulet. kiwi! Le kiwi Lennon, flap, 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 Là, je suis en kiwi! train de tomber. Ah, sur le Non, dirigeable, non, sur je le suis en dirigeable! dessous, je suis bien en dessous déjà. Ah putain! Oh, c'est pas grave. Eh ben, c'est un échec du Dovahkiin poulet qui se fait agresser de tous Cherche côtés, à te faire bouffer juste en dessous! c'est le Et le gangbang. Attends, non, 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 non. Lennon qui va tenter de sauver le Dovahkiin poulet! Oups! Oh Le Lennon putain, qui est tombé! vas-y! Oh, heureusement que j'avais la position abeille. Ah, et Bob est mort! C'est pas grave, j'ai essayé de te viser au dubstep gun, mais je suis mort comme une grosse merde en glissant du tableau. Enfin, Ah, en mon glissant pauvre. du. Eh ben écoute, rendez-vous dans le prochain épisode! Bisous à tous et à la prochaine! Allez, zou! Bise.